Mes chers élèves de 10e année primaire, je vous présente les bonnes manières. Allons-y, on va découvrir quelques activités pour aujourd'hui. Les bonnes manières de Rétaupé. Alors, les bonnes manières est une collection vraiment complète, conçue pour l'enseignement de l'éducation de la première année jusqu'à 6e année primaire. Allons-y, on va découvrir les activités d'aujourd'hui. Alors, mes chers élèves, première leçon de les bonnes manières, c'est je me présente. Mais je pose la question, comment je peux me présenter? Comment je peux me présenter? À la fin de cette partie, tu seras capable de faire une courte présentation de toi-même. Je me présente. Voici des présentations. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les lire et tu vas noter celles que tu préfères. Bonjour, je m'appelle Ali. J'ai 6 ans. J'adore le poney. Tous mes amis m'appellent Ali, le roi du ballon rond. Je suis aussi champion de natation. Je m'appelle Ali et je n'ai pas souvent de bons résultats scolaires. Bonjour, moi c'est Ali. Je fais une collection de cartes. J'en ai de toutes les couleurs. Je m'appelle Ali, mais je ne vois pas en quoi ça te regarde. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement noter celle que tu préfères. La présentation, celle que tu préfères. Bonjour, je m'appelle Ali, j'ai 6 ans, j'adore le poney. Ou, tous mes amis m'appellent Ali, le roi du ballon rond, je suis aussi champion de natation. Je m'appelle Ali, je n'ai pas souvent de bons résultats scolaires. Bonjour, moi c'est Ali, je fais une collection de cartes, j'en ai de toutes les couleurs. Je m'appelle Ali, mais je ne vois pas en quoi ça te regarde. Alors, d'après moi, qu'est-ce que tu vas noter? La première présentation. Et aussi la deuxième. C'est pas la peine de noter la troisième, c'est nul. Quatrième aussi, tu vas noter, c'est très bien. Bonjour, moi c'est Ali, je fais une collection de cartes, j'en ai de toutes les couleurs. C'est parmi mes loisirs, la collection des cartes de toutes les couleurs. Alors la dernière, alors je te déconseille d'utiliser. D'accord? C'est nul. Je m'appelle Ali, mais je ne vois pas en quoi ça te regarde. Non, c'est nul. Alors, je m'appelle Ali, je n'ai pas souvent de bons résultats scolaires. C'est nul. Il ne faut pas noter ça, hein? Et je m'appelle Ali, mais je ne vois pas en quoi ça te regarde. C'est nul. Il ne faut pas les noter. Les autres, oui, pas de souci. D'accord? Alors, on passe à autre chose maintenant. Alors, vous allez tout simplement apprendre quelques présentations et vous, tout simplement, la présenter devant votre maîtresse ou votre maître de français. D'accord? Alors, deuxième activité. Tu vas écrire ta propre présentation. D'accord? Oui. Tu vas écrire ta propre présentation. Mais comment? C'est facile, en t'inspirant du modèle que tu préfères. Oui, tu viens de lire quelques modèles et tu viens aussi de choisir un de ces modèles que tu préfères. Tu t'inspires de ce modèle que tu préfères et tu vas écrire ta propre présentation.
Tu te présentes par écrit, tout simplement. Moi, je m'appelle, etc., etc., etc. Jeu de rôle maintenant. Vous avez ici trois personnages. Ce sont tous des garçons. Alors, Karim, Sofiane et Anas. Bonjour, c'est Anas. Bonjour, c'est Anas. Non, moi c'est Sofiane et lui c'est Anas. Bonjour, c'est Anas. Non, moi c'est Sofiane et lui c'est Anas. Enchanté, Sofiane. Ravi de faire ta connaissance. Bonjour, c'est Anas. Non, moi c'est Sofiane et lui c'est Anas. Enchanté, Sofiane. Ravi de faire ta connaissance. Vous avez compris? Ravi de faire ta connaissance, ça veut dire que je suis vraiment content de te connaître ou de te rencontrer. Maintenant, on va jouer le rôle des filles. Bonjour, c'est Amina. Non, moi, c'est Karima. Et elle, c'est Amina. Enchantée, Karima. Ravi de faire ta connaissance. Bonjour, c'est Amina. Non, moi c'est Karima. Et elle, c'est Amina. Enchantée, Karima. Ravie de faire ta connaissance. Voilà. Alors, c'est tout pour le moment. À la prochaine vidéo.